Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve sur Flashing Lights pour le troisième et dernier épisode. On va donc jouer en tant qu'ambulancier ce coup-ci. Et sincèrement, encore une fois, tout comme pour le côté pompier, il y avait plein de choses à faire. Franchement, des trucs qu'on s'attendait pas. C'était vraiment bien poussé à ce niveau-là. Donc, on a vraiment profité. Le côté RP était quand même présent, malgré tout. Même si il y a des moments où il n'était pas du tout présent. Mais franchement, il y avait de quoi faire. Donc, vraiment très sympa. Je vous laisse avec les images. Vous allez voir encore une fois. Il y avait des trucs cool. On a bien rigolé aussi. C'est parti! Ouais, monte derrière. Vas-y, monte derrière, monte, monte, monte. Ouais, mais attends, justement. En fait, j'ai l'impression que je peux juste. En fait, c'est juste Monte! un. Je peux pas, c'est du stockage. Monte! Bah, je monte là. Oh, peut-être par là. Attends. Ah oui, par là, tu peux, ouais. Là, je peux. Ah, stylé! Et sinon, tu peux monter avec moi, devant, je On y pense. va. Ouais. Ok, vas-y, vas-y, vas-y. On va Y'a faire pas de ça. passion, y'a. C'est quoi ta mission, dis-moi? Mais justement, c'est un incident de véhicule. Genre, c'est un accident de la route. Je me suis dit, ça peut être intéressant, tu vois. Tu vois le mec là ou pas? Bah, non. Oh ouais, bah, il est mort, là. Bonjour, ne bougez pas, on est là pour inspecter la personne pour vérifier si elle peut être transportée à l'hôpital. Oh, Vas-y, vas-y. vas-y, vas-y. Bah, c'est ta mission, de toute façon, c'est toi qu'elle a. Ouais, attends, alors attends, attends. J'inspecte. Attends. Ah, ouais, y'a un logo. Attends, interagissez avec la trousse médicale ou les autres objets dans le coffre de votre véhicule. Ok, Oh j'arrive. là 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 là. Ok, donc en fait là je prends Oh ma là. trousse, il y a la civière, il y a kit de fracture, technique, on a un défibrillateur et on a extincteur, conne, machin, bon ça on s'en fout, ok. Donc je Le prends classique. d'abord la trousse de soins, on va aller voir. Bonjour. Oh là là, on peut inspecter le patient, on peut vêtements. Je me demande pas pourquoi. Ok, Il y a marqué je prépare la vêtements. scie. Je Effectuer prépare la un scie, c'est massage bon, c'est bon. cardiaque, bandage, neck, collar. Donc ça c'est les colliers, tu sais, que tu mets pour le cou, je pense. Demande de transport. Donc je vais inspecter le Alors. patient. Oh là là, pour inspecter, je peux inspecter ses jambes. Inspecter. Pouls What? trouvés. Fracture potentielle. J'inspecte l'autre jambe. Ok, c'est trop bien, Oh c'est trop là bien, là. c'est trop bien, c'est trop bien. Pouls Je peux pas trouvés. sortir la civière. Jambe gauche, ok. Attends, attends, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Sors le kit de fracture, s'il te plaît. Ok. C'est trop bien, c'est trop trop bien là. Pour la jambe Kit de droite, il fracture, va lui je l'ai. falloir le. Là, je suis en train de tout inspecter, toutes les parties du corps une à une. Ok, respire, pouls trouvé, il est conscient. Ok. Ok, pouls trouvé. Donc, sa jambe droite, il y a une fracture potentielle. Donc, tu vas utiliser ton kit de fracture dessus. Est-ce que tu peux, même si je suis en Ouais, interradio. Ok. attends, je crois qu'il y a un truc. Voilà. Ok, nickel. Ce que tu as fait, c'est parfait. C'est ce qu'il nous fallait. Ok. Donc, C'est maintenant, incroyable là, c'est incroyable vêtements, ce qui je est en sais train pas de ce que. se passer. Ok, je lui ai enlevé ses Oh vêtements. là, il va. On va Peut-être. se rendre un Peggy 18 dans 2 secondes. Pas besoin de massage cardiaque, il est déjà ok. On va lui mettre un neck collar au Ok. cas où, je pense. Tu vois, voilà, au cas où, toujours. Et on va aller Ok. chercher, je pense, On peut la. pas la récupérer. On peut pas. Parce que le camion, je pense qu'il est mal placé. Ok, j'ai Quoi? récupéré la Je comprends civière pas. du coup. Putain, c'est trop stylé. C'est beaucoup trop stylé. C'est Ah, moi ambulancier, je c'est trouve trop trop bien bien pour aussi, le genre. coup. Tout est trop bien. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, Ah, mets-le c'est dessus, trop mets-le bien. dessus, vas-y. C'est trop bien. Comment je fais? Je sais pas. Comment tu veux que je le mette dessus? Toi, le mettre dessus, je pense. Tu penses? Ouais. Interagissez avec. Ah, mais il faut que j'ai la civière et ensuite je fais interagir. Ah, voilà. Ouais, je pense. Interagissez avec la trousse médicale ou les autres objets. Mais quoi? Mais oui, ça Ramasser. me dit pareil. Je peux pas la ramasser là en fait. Il y a marqué Oh là important le là, logo comme attends. si je Je vais pouvais. Alors chercher attends, peut-être la qu'il fallait faire trousse. un autre truc avant. Trousse de soins, vas-y. Vas-y, vas-y, je te laisse essayer, je te Hop. laisse essayer, vas-y. Inspecter le patient, bandage, demander demande de transport. Bah non. Bah non. Y a pas, hein. Je sais pas. Dans tous les cas, ne fais pas une demande de transport, c'est à nous de gérer ça. Oui, Hein. non. Je veux surtout pas que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en Vas-y. occupe. C'est Si, je notre crois. cas, ok? Ouais, par contre, je suis bien déçue de pas pouvoir prendre moi-même la civière, ça dégoûte. Alors attends, inspecter Mais. vêtements, effectuer massage cardiaque. Mettre des bandages, hein. Mais en fait, bah pourquoi? Ah bah non, il n'y a pas besoin. Je Mais peux les mettre on là où va je veux. bien pouvoir le soulever là, il y a bien une interaction qui possible. Inspecter, pourtant, genre, pouls trouvés. Alors ça. Fracture potentielle, on a fait ce qu'il fallait en vrai, on a tout fait. Hein. Attends, il y a des gens qui me disent peut-être la trousse, elle gêne, vas-y, enlève ta trousse. Mais comment tu la prends la trousse? Tu cliques gauche dessus. Ah bah, ok ça. Vas-y, je la remets derrière. Enlève ta trousse de fracture aussi, on va voir. Ouais. Peut-être, ouais. Vas-y, let's go.
Tu dois pouvoir interagir avec, je pense. Mais en plus, il y a vraiment le logo, ouais, comme si je pourrais, comme si je pouvais. Il y a même marqué ramasser avec la civière et tout. Ah genre. Bah voilà, bah. Bah non, bah ça marche pas, quoi. Hop, pousse de soin, let's go. Hop, vêtements, c'est bon, c'est enlevé, allez-y. Ok. Courbe, électrocardiogramme. Ok, on lui branche. Ok, oh c'est branché. Oh, c'est beau, mais le. C'est électrode. Docteur Maboul, le truc. Ok, donc on a ces courbes. Là, on a les électrodes, du coup, on peut choquer. Ils sont comment? Ok, dégagez. Oh, il bouge plus, je crois qu'il est mort. Dégagez. Oh là 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 là. De base, il était conscient, hein, pour rappel, hein, si jamais. Mais de base, oui, par contre. De base. Ça m'a expliqué la mission. De base, il allait bien. La civière, moi, je l'ai pas. C'est chiant. Je crois pas que ça a foutu un bug, ça. Le fait que moi j'ai pas la mission, c'est moi qui lui mette tel truc. Alors ah, que, peut-être. Mais vas-y, on va appeler des. Ouais, vas-y, on range tout, on appelle et on va se reprendre un truc ensemble. Vas-y, go appeler quelqu'un. J'appelle. Demander transport. Je suis en là, tu vas voir qu'il va être mis sur civière. L'ambulance va prendre la relève. Bah, nous aussi, on est ambulancier de base. On appelle les secours, mais bon, de base, c'est nous les secours. Ils arrivent. Bah oui, ils arrivent. Ils sont là-bas. Ah, mais attends, là, ça bouchonne de ouf. Ouais, non, mais on va se tirer de toute façon. Ouais. Vas-y. Parce que si c'est ça le boulot d'ambulancier, les ambulanciers, hein, vraiment. T'es déjà les autres qui créent un accident. Mais nous, les meilleurs ambulanciers au monde, hein, t'sais. Hé, la civière, elle est tombée! Oh la civière! T'es choqué où de suite? What the fuck? Mais il va se passer un accident là. Rendez-moi ma civière! Attendez! Je suis en train de créer un. Rendez-moi ma civière! Attends, faut qu'on la récupère, on en aura besoin plus tard. On va la prendre en plus, vas-y! J'ai récupéré la civière. Mais what the fuck. Mais qu'est-ce que tu vas la chercher, elle est derrière la civière. Elle est là. Ah ouais, elle est là. Mais what the fuck. Oh, y'a un monsieur qui sort, regarde, il sort. Attends, il va sur la civière. Attends, y'a un code, tu l'as pas? Oh si, vas-y, go. Vas-y, j'ai accepté. C'est bon, mais pourquoi elle est sortie? Genre c'est fermé pourtant ici. Regarde. Là j'ai bien fermé, peut-être on avait pas bien fermé les trucs. Ah. Alors c'est ça, être ambulancier. Il a des pompes. Elle l'a mis dans sa poche. Tu montes ou je me barre sans toi? Non mais t'as entendu ce que je te dis? Oui. Elle l'a mis dans sa poche. Attends-moi. Par contre, on en parle du fait qu'on est ambulancier, mais notre job c'est d'appeler d'autres ambulanciers pour venir faire notre job en fait. Ouais, alors ça par contre. C'est vous inquiétez pas, on est ambulancier, on sait ce qu'on fait. Oui, bonjour, les secours. On a besoin d'ambulance. Il y a quelqu'un, il a pas l'air bien là. Oui, allô, la police. On avait un défibrillateur, on a tenté. Bon, il était conscient de base, il est plus maintenant, mais sinon, voilà. Ah, j'avoue que là, bon, allez, peut-être qu'avec cet incident de véhicule, on va. Là, je pense que c'est bon. Les deux, on a les missions. Je pense que l'on est pas mal. Ok, ça va aller. Ok. Ok, on coupe le moteur. Je vais récupérer une trousse de soins. T'occupes de la madame, tu t'occupes du monsieur. Ok. Madame, écoutez-moi, ça va aller. Ok. Ok, je pense au coup. Ok, je m'occupe du monsieur. Bonjour monsieur. Inspecté. Respirez madame, respirez, ça va. Les secours. Elle est morte la tienne, hein, si jamais. Hein. Elle est pas morte. C'est pas parce qu'elle bouge plus, qu'elle respire plus, okay, qu'elle est morte. Hein. Attends, il y a marqué pas de fou là. Moi, il a pas de fou par contre. Potentiel, hein, de mon côté. Ah ouais. Ne respire pas, pas. Putain, de fou, inconscient. Plus, mais... oh pas de poux. Bah, et massage cardiaque. Oui, défibrillateur en vrai direct, hein, je pense. Moi, je vais défibriller. Retirer la partie supérieure. En vrai, la fracture, on réglera après. Je pense que c'est pas la priorité. Ouais. D'abord, faut remettre en pouls. Genre, fracture, c'est après. Oh madame, vous allez vous en sortir, madame. Je suis sûre que vous avez des enfants, un chien, une famille. Attends, parce que par contre. Attends, juste. C'est pas possible. Pourquoi je suis sur la dame? Qu'est-ce qu'elle fout, la mienne? Mais casse-toi, mets-toi à côté. Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu vois pas que mon perso, il a un problème? Elle se met. Bah tu crois, je regarde ton perso, moi j'essaie de sauver la vie de mon patient, tu crois que j'ai vraiment que ça bah à faire? Ouais, mais moi aussi. Oh là, je panique. Il se passe des choses trop bizarres ici. Vite. Tac, ça doit venir là. Le rouge au rouge, effectivement, il a une... Non, c'est pas la trousse de soie qu'il me fallait. Une sinusoïde un peu bizarre là. Ok, on applique le kit de fracture. Bon, qu'est-ce que j'ai? Bah par contre, défibrillateur, c'est reparti, je vais le chercher. Défibrillateur. Madame, ça va aller. Oh
Mais attends, on peut faire, oui, effectivement, on peut faire plein de trucs. Courbe électro. Tu vois la courbe? La courbe, c'est pour voir, en fait, c'est son statut, ouais. Tu vois, mais... Eh ben, ça bat, hein, ça bat. Patient 2, envoyer une décharge au patient. Quoi? Moi, je veux quand même lui mettre une décharge dans le doute, hein. C'est qui, le patient 2? C'est le mien ou c'est le tien? Je sais pas, je la choque. Regardez le nouveau... Oh! Ah, ça y est. Elle est vivante! Moi aussi, il va mieux. Je la choque ou pas? Non, bah non, non, non. Non, c'est bon, c'est bon. Ouais. Enlevez tout, ok, c'est bon. Attends, on va lui mettre pour la fracture, maintenant. Ouais, moi je l'ai mis pour la fracture. Tu l'as mis avant de la choquer? Ouais. Heureusement qu'on a dit que c'était une priorité d'abord de s'en occuper. Mais parce qu'en fait, j'ai cru que le massage cardiaque, c'était bon, en fait. Bon, par contre, c'est où? C'est celle-là, hein, que ouais, là, de toute façon, je peux lui mettre que sur celle-là, donc ça doit être bon. Trousse de soins. On va vérifier son état. Je vais regarder si tout va bien, ouais. Alors, fracture potentielle, on est ok. Par contre, ne respire pas, pas de poux. Il a toujours pas de poux, en fait, moi. Moi non plus, hein. Mais je pense qu'il dort. Parce que c'est pas à jour, parce que là, ça marque. Ouais, c'est vrai que quand tu dors, tu n'as pas de poux, c'est bien connu. Bah oui. Tu sais quoi, je vais prendre la civière, hein. On va voir. Écoute, je prends la civière. Utiliser des fibrillateurs. Ah, mais il faut que j'utilise des fibrillateurs encore? Non, mais par contre, sans déconner, si par contre c'est vraiment ça, je suis dégoûtée. De quoi? Ah mec, j'ai pas la place pour la civière, ça recommence. Mais oui, parce que c'est mon camion. Mais appelle ton camion à côté, ah ouais, tout simplement, en fait. Mais appelle ton camion à côté. Mais oui. Oh là là, faut tout lui expliquer, hein, vraiment. Ah mais répète. Mais oui. Faut tout lui expliquer. Bien évidemment. Alors. Touk. Touk. Technique. Ah mais on est vraiment reparti sur un truc que j'ai déjà fait, quoi. Tout ça parce que j'ai pas fait dans le bon ordre, peut-être que j'ai pas fait le massage avant, je sais pas. Patient, envoyez une décharge au patient. Oui, mais c'est le mien maintenant, mais parce que t'inquiète. Si je lui roule dessus avec mon massivière, ça passe. Ok, donc là c'est bon. Normalement, là ils me disent que je peux. Attends, mais je le laisse comme ça pour. Attends. Ramasser, interagissez avec la trousse médicale ou les autres objets dans le coffre de votre véhicule. Moi, ils m'ont dit que je pouvais prendre la civière maintenant, par exemple, tu vois. Ils m'ont dit que je pouvais l'utiliser, genre. Mais, oh là là. Mais comment ça, la trousse de soins en même temps? Genre, je prends ça et ça? Non, mais la trousse de soins, c'est ce qu'ils te demandent de base, hein. Par contre, on va se gêner là un peu. Ça me dit interagissez avec la. Bah ouais. Mais purée. Faut peut-être que j'enlève des défibrillateurs, mais bon, là ils m'ont dit de le faire, donc. Mais là, ouais, ils m'ont donné les étapes, mais ouais, non, il faut que je l'enlève, je pense. Là, ils m'ont donné les étapes en gros. Et là, la dernière étape, ils m'ont dit soit t'appelles pour du transport, soit tu le ramènes toi avec la civière en gros. Ça, c'est le dernier truc qu'ils m'ont dit. Donc, ouais. Je vais enlever ça maintenant. Mais qu'est-ce que. Oh! Tada! Allez! Je pense qu'elle va mourir ici. Je suis trop fier. Ah, vraiment, je suis bloqué. Je sais que la trousse médicale ou les autres objets dans le coffre. Ah non. Mais quoi? Il écrase la meuf que j'ai soignée. Je suis coincé. Vas-y. Oh non, mais je suis coincé. Même moi, je peux plus. Ok. Attends, viens pas devant, s'il te plaît. Mais j'essaye de la sauver. Oui, bah moi aussi, j'essaie de la sauver. Oh, mais c'est horrible. Oh là là, mais c'est n'importe quoi. Mais toi, en fait, en gros, il faut vraiment que tu aies eu l'étape. En fait, il faut vraiment que tu aies eu l'étape qui t'ait demandé de le faire, tu vois. Ouais. Oh, trop bien. Vas-y, je vais la défibriller. Si t'as pas eu l'étape, en fait, tu ne peux pas le faire. Non, mais avant de la défibriller et tout, en fait, en gros, moi, c'est parce que, par exemple, j'avais tout fait, mais j'avais pas fait le massage cardiaque au début. Et en gros, ça te passait pas parce que, du coup, j'avais pas fait l'étape qui me demandait. Oh là là. Ah, par contre, c'est horrible, hein, leur. Ok. C'est de la merde. Ok, let's go. Allez. En gros, faut vraiment que tu aies les étapes de marquer en bas, quoi. Ouais. Donc d'abord, ça, tu dois faire le massage cardiaque. Dès que tu as fait le massage cardiaque en bas, ils te le montrent, ils te le disent et tu passes le défibrillateur, etc. Et le défibrillateur, même si tu as terminé, il faut que tu réappuies sur courbe cardiogramme ou je sais pas quoi. Il faut appuyer sur ça à la fin. C'est peut-être ça que tu n'avais pas fait à la fin, toi. Et après, il va te dire c'est bon, vous pouvez l'envoyer une civière ou quoi. Vas-y, allez, hop, on peut lâcher le patient. Vas-y! Ah mais putain, mais moi je vois pas, c'est incroyable. Il y a de fou ce qui se passe. Il va pas assez vite. Et en vrai, il va quand même plus vite que moi en train de courir. Ah!
patient de rue quoi, ça voudrait pas grave. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est bon. C'est bon, maintenant t'as juste à le charger sur ta civière maintenant qu'il t'a dit ça, c'est bon. Ok. Ok, en vrai je vais le mettre là-bas. Hop là. Le patient là-dedans. On va ranger le matériel, les amis. Je l'attrape ? Ouais, tu peux l'attraper là maintenant, ça y est. Hop. Ah oui, effectivement, ça doit être ça. Oh là, c'est trop stylé. Let's go, ouais, let's go, let's go, let's go. Ah mais par contre, ah bah c'est là, ok. Allez, 30 points, c'est gagné. Je vais mettre Martine aussi. C'est trop stylé en vrai, j'aime beaucoup. Ouais. C'est vraiment trop bien. Attends, comment tu l'as... Tu récupères ta civière en fait, comme tu la prends normalement quoi. Ah, ah oui, d'accord, ok. Ah, le police. Ah, la police. Je crois que le. Bah oui, parce qu'en fait, c'est ça, c'était un mec qui était transporté. Ah, il est mort. Pour. Non. S'il est mort. J'ai mis un. S'il est mort. S'il est mort, il bouge plus. Non, mais il est mort. Hein. Mais non, il n'est pas mort, il est juste endormi là pour l'instant. C'est ok. De quoi, le policier? Oui, le policier. Bon, le policier, pour moi, il est mort. Mais hein, tu l'as pas inspecté, on s'en fout de pour toi, là, inspecte-le. Comment on fait pour l'inspecter? Mais quoi, mais c'est pour ça, je pense qu'il est mort, tu peux pas interagir avec. Mais t'as même pas trousse de soins, me dis pas que tu pouvais interagir. Ah. Et en fait, tu vois, derrière, il transportait un mec et qui est... Qu'est-ce qu'on peut pas l'inspecter? Ok, ok, bah tant pis, il est mort. Ouais, bah il transportait un mec, le mec s'est échappé et... Il est mort. Ça a mal tourné, hein. Mais tu vois ça, par exemple. Alors, par exemple, là, ce qu'on vient de faire. Là, le mec qu'on a, c'est le mec qui était dans le véhicule de devant, je pense, celui qu'on sauve. Du coup, celui qui s'est échappé, il s'est vraiment échappé. Donc je pense que si l'un de nous deux avait été policier, bah il aurait une autre mission, tu vois, en même temps. D'aller retrouver le mec qui s'est échappé, tu vois. Je pense qu'il y aurait ça. Il y a des missions comme ça communes, je pense. Ah, ça, c'est super bien fait pour l'inspecter. Ah, si, je peux bouger, ok. J'avais critiqué, mais non, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a pas de poux, inconscient, pas de poux, pas de poux, pas de poux. Ouais. Donc. C'est cardiaque, hein. Il faut démarrer massage cardiaque, vas-y je te laisse faire, hein, t'es la meilleure. J'y vais, je donne tout. Ok, c'est bon, bah, utilisez le défibrillateur. Ok, vas-y. je prends. Ouais. Vas-y. Ok, ok. Je ramasse les trousses. Ça défibrille. Hop, hop. Hop. J'ai toujours du mal à placer le dernier là. Ok. Électrode. Hop. Vas-y. Et la petite hop. Décharge, hein. Hop, allez, hop. Choqué. Ok, on est bon, donc je retourne sur la courbe de nouveau. Hop. On est ok. Et ça y est, maintenant tu peux le transporter ou alors on enlève, okay. On appelle quelqu'un, c'est comme tu veux, vas-y. Je te laisse prendre ta civière si tu veux. C'est bon. Je crois que j'ai du carotte sur mon défibrillateur et du coup on s'en sert. Bon, c'est infini, je pense. Genre, je l'ai pris de chez toi, je l'ai ramené chez moi, je pense. Voilà, bah du coup faut le ramener là. Voilà. C'est un peu le truc chiant. Les portes. Ouais, pense à bien fermer derrière surtout. Et le policier, on fait quoi? On peut pas appeler la. On peut rien faire? Bah, je crois qu'on peut plus rien faire pour lui. Hein. La police parce... Ah, c'est pas notre corps de métier, hein, écoute. Hein. Mais attends, tu vois pas. Ah non, je vois de temps en temps notre point vert sur la map, je sais pas pourquoi. Et voilà les amis, on va s'arrêter là-dessus du coup pour cette petite vidéo, mais également pour cette, bon j'allais dire petite série, c'est pas vraiment une série, cette trilogie à la limite, hein, puisqu'il y a eu 3 vidéos sur du coup ce jeu-là avec les 3 métiers. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs quel métier vous avez préféré sur le jeu. Pour le coup, nous au début, on pensait vraiment avant de jouer que le côté policier est celui qui allait le plus nous intéresser. Au final, bah, ça n'a pas forcément été le cas, que ce soit ambulancier ou pompier, on a vraiment apprécié. Policier, c'est peut-être moi le fait d'en avoir déjà pas mal fait sur Police Simulator avant qui fait que bah, j'étais peut-être un peu moins hype une fois dedans, malgré qu'en réalité le métier est plutôt pas mal, hein. Il y a pas mal de trucs à faire et tout, mais encore une fois on l'a moins poussé peut-être aussi, mais voilà, en vrai les 3 métiers sont quand même bien, bien travaillés, donc c'était assez cool, franchement c'était assez cool, le jeu est très sympa, donc voilà, c'était une petite session sympa quand c'est fait et j'espère que ça vous aura plu à vous aussi. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi, à très bientôt les amis.